Salut, c'est Créabilou, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens aujourd'hui pour une vidéo rentrée, merci, et donc échange création que j'avais déjà fait avant cet été en fait. Donc tout d'abord, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Un été où vous avez pu profiter de vos proches un maximum, de votre famille, que vous vous êtes amusé, détendu. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez passé d'excellentes vacances, que votre rentrée s'est bien passée, que la rentrée scolaire de vos petits bouts est bien passée, ou de vos grands bouts, hein, parce que bon, voilà. La mienne rentre cette année en troisième, donc c'est une bonne année, hein, donc une année bien chargée. Voilà, ça s'est bien passé, hein, la rentrée nickel. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui ont repris le boulot, bon, c'était pas trop dur, même si on sait que la rentrée, c'est pas toujours évident, malheureusement. Mais donc voilà, on peut pas être en vacances toute l'année, hein, malheureusement. Bon, voilà. Donc en tout cas, j'espère que je vous souhaite vraiment de plein de belles choses pour donc cette nouvelle année scolaire, on va dire, où voilà, où c'est septembre, c'est la rentrée, voilà. J'espère que voilà, tout se passe bien pour vous. Voilà, c'était pour vous souhaiter une très bonne rentrée. Deuxième point, je voulais vraiment remercier donc tous mes nouveaux abonnés, hein, qu'il y a eu pendant cet été, les anciens aussi. Donc ma chaîne est ouverte depuis le 19 mars, donc ça va faire bientôt 6 mois qu'elle est ouverte. Donc voilà, donc je suis, je crois que j'ai 59 ou 60 abonnés, je crois que j'en suis 60 abonnés. Donc merci, merci à toutes et à tous, parce que je sais qu'il y a quand même Greg, donc Greg, si tu passes par là. Après, j'ai pas, je vois pas tout, malheureusement, on voit pas tous les gens qui s'abonnent à nous, parce que il y a des gens qui gardent leurs abonnements secrets, c'est leur choix. Mais bon, c'est dommage, parce que du coup, on ne sait pas vraiment qui nous suit ou pas. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie tous. Voilà, donc 60 abonnés, c'est très bien. Je suis très très contente. J'étais à 100 abonnés sur Instagram, alors c'était hyper cool aussi, je suis super contente. Bon, après, il y a des gens, ils s'abonnent et ils se désabonnent, donc du coup, je suis redescendue à 97 abonnés. Alors, pas que je m'accroche avec cet abonnement, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Après, quand les gens s'abonnent et se désabonnent, bon, ben, il y a toujours quand même un petit pincement encore au cœur. Est-ce que c'est vraiment leur choix? Est-ce que finalement, ils se sont trompés et que, voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est quand même leur choix, je le respecte, il n'y a pas de souci. Donc du coup, j'étais passée à 100 abonnés, je suis redescendue à 97, tant pis. J'espère que ce que je vous présente vous plaît, même si c'est malheureusement pas très régulier. Mais en même temps, voilà, je suis, comme j'ai dit sur ma présentation, j'y vais au feeling. Je fais des vidéos quand je peux. Quand j'ai de quoi vous faire, parce que faire des vidéos pour rien, ça sert à rien. Bon, là, c'est un peu une vidéo blabla, mais pour la rentrée, je pense que c'est nécessaire. Après, voilà, me mettre la pression pour dire, voilà, il faut que je fasse une vidéo tant, pour moi, ça va pas. Moi, plus on me met une pression, ou plus je suis obligée de faire les choses, ben, ça m'écœure vite, donc j'ai pas envie. Donc j'espère que les vidéos que je vous présente vous plaisent. Donc en tout cas, merci, merci. Alors ma plus grande satisfaction également, c'est quand je suis des personnes depuis quelque temps sur YouTube et que à leur retour, ces personnes-là me suivent. Donc je pense qu'elles vont se reconnaître. Je suis extrêmement contente, ça me fait vraiment plaisir en fait que les gens que je suis, que je regarde les vidéos très régulièrement, sans que je leur dise abonnez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, machin, tout ça, le fassent spontanément. C'est vraiment très très sympathique. Voilà, donc je suis très contente pour ça aussi. Donc troisième point que je voulais aborder avec vous, avant les vacances d'été, j'étais à 50 abonnés et j'avais proposé un échange de création. Donc vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne, je ne sais pas mettre en barre d'infos comme les gens y font, désolé.
Faudra peut-être que je me renseigne pour savoir comment on fait. Est-ce que c'est un logiciel spécial ou pas? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, au début de l'été, en fait, j'avais proposé un échange de création pour les 50 abonnés. Donc, nous sommes à 60 aujourd'hui. Donc, raison de plus. Cet échange de création est toujours valable. Donc, n'hésitez pas. J'ai eu un seul retour pour l'instant d'une personne qui était intéressée. J'attends toujours sa création, il n'y a pas de souci. Elle le fait quand elle le souhaite et quand elle le veut. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je reçois, ce que je vais recevoir, les personnes recevront aussi en échange une création de ma part, parce que le scrap, on le sait, c'est du partage. Donc, Gwenola, si tu passes par là, te presse pas, il n'y a pas de souci. J'attends ta création avec plaisir, ne t'inquiète pas, prends ton temps. Et puis, n'hésitez pas, tous les autres. Je vous rappelle vite fait ce que j'avais proposé. C'était donc une échange de création sans règles imposées vraiment. La seule chose que je voulais, c'était une création qui puisse vous représenter, enfin vous représenter, pour que je puisse comprendre ce que vous aimez. Ça peut être du scrap, ça peut être je sais pas, du crochet, je sais pas, un truc en fimo, qui puisse me faire découvrir un petit peu ce que vous aimez, vraiment un reflet. Alors ça peut être du chavis, du clean et je sais plus comment on dit, simple et clean ou je sais pas quoi. Ça peut être du vintage, ça peut être ce que vous voulez. L'essentiel c'est que ça soit quelque chose que vous aimez, qui soit de vos goûts, que vous avez l'habitude de faire ou que vous faites, voilà, un truc qui peut vous représenter. Il n'y a rien de, non, un reflet en fait de ce que vous aimez et de ce que vous êtes en fait, tout simplement. Donc c'était une création de votre choix en tout genre, ce que vous aimez faire, hein, je répète, et donc rien d'imposé. Donc vous voyez ma petite minette à côté, hein, Kaline, qui voit que la porte est fermée, mais qui va quand même tenter de l'ouvrir. Enfin bon. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc dès que je reçois votre création, je vous envoie un petit mail. Certainement, je ferai une petite vidéo aussi pour montrer votre création aux autres, donc il n'y a pas de raison. Et puis moi, en échange, je vous renverrai une carte, un ATC, voilà, de mon choix. Alors surtout, voilà, petit format, hein, au prix d'une enveloppe, vous ne cassez pas la tête à ça. Donc cet échange de création est toujours d'actualité, il n'y a aucun souci là-dessus, au contraire, ça me fera vraiment plaisir. C'est vrai que là, pendant les vacances, c'était un peu compliqué. Hein. Je sais très bien que les vacances, on n'a pas trop de temps. Même moi, j'ai pas trop eu le temps pendant les vacances. Mais bon, là, je réitère donc cet échange de cette proposition, en tout cas, pour la rentrée. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo, donc rentrée. Donc, n'hésitez pas. Ma boîte mail, c'est créabilou@gmail.com. De toute manière, vous l'avez, que ce soit sur mon Instagram, sur mon YouTube, voilà, je vous la mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!